Belle affiche entre Nice, 8e, et le Paris Saint-Germain, le leader du championnat. Des Parisiens qui restent sur deux défaites à domicile sans avoir marqué le moindre but. Ils doivent se relancer pour leur objectif d'être champion sur le terrain de Nice, qui reste sur 4 nuls, du surplace pour les Aiglons. Mais toujours cette invincibilité pour Didier Digard sur le banc du club niçois. Le PSG s'attend à être légèrement sous pression. Mais avec Messi et Mbappé titulaires, va de l'avant dans les premiers instants. Les Parisiens essayent de prendre le contrôle du match. Ils subissent un petit souci à la 10e minute. Fabien Ruiz remplace Renato Sanchez, blessé. Mais Paris continue à attaquer. Le centre et la reprise de la tête de Danilo. Le poteau repousse la balle directement dans les gants de Kasper Schmeichel. Petit coup de réussite pour le gardien danois et pour Nice. Mais Paris continue à attaquer avec Nuno Mendes qui se montre énormément. Un premier centre repoussé. Le deuxième est le bon. Il trouve Lionel Messi au cœur de la défense niçoise. 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 26e minute. Jolie passe de Nuno Mendes qui a eu de la suite dans les idées. Et Messi marque son 14e but de la saison en Ligue 1 Uber Eats. Le PSG prend confiance. Mais Nice décide à ce moment-là d'attaquer pour essayer de vite revenir. Kefren Thuram pour le centre, Pépé pour la reprise. La parade de Gianluigi Donnarumma. Il repousse la balle du genou, l'envergure du gardien italien sauve le PSG. Et ça donne des idées aux Niçois qui insistent. Avec cette nouvelle balle pour Aaron Ramsey, le centre et la tête de Terem Moffi, habitué au but contre le PSG sous les couleurs de Lorient. Maintenant qu'il est niçois, le Nigérian essaye également, mais Donnarumma s'interpose. Le score est de 1-0 pour le PSG à la mi-temps. Nice s'est bien réveillé en attaque en fin de première période et continue au retour du vestiaire. Les joueurs de Didier Digard, qui a débuté sa carrière de joueur sous les couleurs du PSG, en veulent plus. Pourquoi pas sur ce corner, Pépé pour le frapper. Dante en embuscade, le tir de Dante, le but de Nice. Non, car la montre de l'arbitre ne vibre pas. Le ballon n'a pas entièrement franchi la ligne de but. Ça se joue à quelques millimètres. Un coup de réussite énorme pour les Parisiens sur cette action. Nice ne désarme pas et continue à essayer d'égaliser avec le tir de Youssouf Ndayishimiye. L'international burundais est mis en échec par un très bon Gianluigi Donnarumma. Il sort tout dans ce match. Paris a fait le dos rond sur le temps fort niçois et double la mise à un quart d'heure de la fin. Une action simple mais bien exécutée, le corner de Lionel Messi pour trouver Sergio Ramos à son 50e match sous les couleurs du PSG. Ramos marque son premier but de la saison en Ligue 1 Uber Eats. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui se détachent, même s'il y a encore une chance niçoise de revenir avec cette action. Danilo veut sauver, il expédie le ballon sur sa propre barre transversale. Un coup de réussite supplémentaire pour les Parisiens qui finissent par s'imposer. Paris reprend sa marche en avant vers le titre de champion. En gagnant 2-0 sur le terrain de Nice, c'est la première défaite de Didier Digard comme entraîneur des Aiglons.